Dernier jour avant mon bac de DS. Demain, je passe l'HLP, donc la philo et la littérature, de 14h à 18h. Et du coup, pour déstresser un peu, avec des potes, on a décidé de manger tous ensemble au McDo. Enfin, de prendre McDo et d'aller manger comme un pique-nique. Du coup, là, je vais prendre le bus. Puis, j'espère que ça va m'aider à me déstresser. Puis voilà ma tenue au pire. Voilà. You whisper good morning. Ça y est, c'est le premier jour de bac avec les épreuves de DS. Donc aujourd'hui, moi, je passe l'HLP. Donc c'est humanité, littérature, philo. Je connais ma salle et je vais faire de mon mieux. On va dire ça comme ça. Puisque c'est sur les deux EDS que j'ai, c'est pas mon préféré, on va dire, au niveau des révisions. J'ai plus révisé l'autre, qui est la SES, que celui-là. Mais bon, techniquement, j'ai écouté en cours. Je devrais m'en sortir. Maintenant, à voir les sujets. J'espère tomber sur un bon, un auquel je pourrais répondre. Mais bon, voilà. Donc du coup, là je vais manger et puis j'ai un bus à 12h20. Puisque l'épreuve est à 14h, mais il faut y être présent 30 minutes à l'avance. Donc du coup, afin de voir mes amis pour qu'ils me déstressent, bah du coup j'y vais en avance. Voilà. Coming back to you, babe. Ok, alors petit débriefing du coup de mon épreuve d'aujourd'hui. C'était du coup sur mon premier EDS qui est l'HLP, donc humanité, littérature, philo. Il y a eu deux sujets grâce à la réforme qu'on a eue. Il y a eu deux sujets au dedans. Du coup, on avait le choix en fait entre le premier sujet qui comportait une question d'interprétation littéraire et un essai de philo. Et le deuxième sujet qui comportait du coup l'inverse, donc c'est-à-dire une question d'interprétation en philo et un essai littéraire. Moi j'ai pris le premier parce qu'il m'inspirait beaucoup plus que le deuxième. Le premier était plutôt sur la recherche de soi et la découverte du moi, alors que le deuxième, enfin pour ma part, j'ai trouvé qu'il était plus dans le thème histoire et violence. Et le premier m'inspirait plus, puisque c'est l'histoire de Narcisse que j'avais déjà entendue. Donc du coup, j'étais bien contente de tomber sur ce sujet. Après, à voir si ce que j'ai fait suffira pour au moins avoir la moyenne. Je l'espère. Mais en tout cas, pas de regret sur ce que j'ai fait, puisque j'ai donné mon max. J'ai fait au mieux avec les révisions que j'avais fait. Et du coup, demain, je passe l'épreuve de mon deuxième EDS, qui est l'SES, auquel je suis en train de réviser en ce moment-là. Je suis en train de lire les dernières fiches. Et du coup, voilà, je vous montrerai un peu comment ça se passe. Et je vous ferai un débrief, du coup, un peu plus tard.